On va maintenant aborder un paragraphe important sur les forces conservatives et la notion d'énergie potentielle. Notez bien que le terme énergie potentielle est au pluriel. La définition d'une force conservative est la suivante. Une force est conservative lorsque son travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la position de ces deux points. On dit alors qu'elle dérive d'une énergie potentielle, grandeur qui caractérise énergétiquement le point M dans chaque position. On écrit alors W entre A et B de la force conservative est égal à EPA moins EPB est égal à moins delta de EP, ou de manière différentielle, delta W égale moins DEP. Le signe moins est présent ici par définition. On va expliquer tout de suite sa présence. Et on peut expliquer ici pourquoi donc on a parlé d'énergie potentielle au pluriel. On voit que une énergie potentielle est définie pour une force conservative. Donc à chaque force conservative, on va retrouver une énergie potentielle et nous verrons des exemples un petit peu plus loin dans ce cours. Vous vous demandez probablement pourquoi on a appelé ces forces des forces conservatives. Eh bien parce que ces forces conservatives ont la propriété de laisser constante la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Si on applique par exemple le TEC, théorème de l'énergie cinétique, sur un système qui est soumis qu'à une seule force qui est conservative, on a W de F conservative qui va être égal à delta EC. On vient de voir que W de force conservative, ça vaut moins delta EP. Et donc, on en conclut que delta de EC plus EP est égal à 0. Il y a bien conservation de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà pourquoi le moins existe dans la définition de la force conservative qui dérive d'une énergie potentielle. On va une nouvelle fois prendre comme prétexte ce cours pour découvrir une nouvelle notion mathématique. Quand on dit que F conservative dérive d'une énergie potentielle, on peut écrire ça de la manière suivante. F conservative égale moins gradient de l'énergie potentielle. Ce gradient est ce qu'on appelle un opérateur mathématique et son expression dépend du système de coordonnées. Avant de donner un exemple, on notera que le gradient s'applique sur une fonction scalaire, jamais sur un vecteur. Vous verrez d'autres opérateurs mathématiques plus tard, en seconde année, qui s'appliqueront sur des grandeurs vectorielles, mais ici, le gradient s'applique sur une grandeur scalaire, mais attention, son résultat est bien une grandeur vectorielle, puisqu'il y a une flèche sur le gradient. Dans le système de coordonnées cartésien, si on prend gradient de l'énergie potentielle, eh bien ce gradient s'écrira dérivée ronde de EP par rapport à X, UX, plus dérivée ronde de EP par rapport à Y, UY, plus D rond EP sur DZ, UZ. Que signifie ce gradient? Eh bien, il quantifie la façon dont varie l'énergie potentielle selon les trois directions de l'espace. En effet, l'énergie potentielle dans l'espace peut dépendre de la variable X, Y ou Z. C'est ainsi qu'on a des dérivées qui sont rondes, des dérivées partielles, puisqu'on a une fonction à plusieurs variables. Eh bien, DEP sur DX montre comment varie l'énergie potentielle suivant la direction X. Mais cette énergie potentielle peut aussi varier d'une certaine manière suivant Y et suivant Z. Donc on a trois termes qui montrent la variation de l'énergie potentielle suivant les trois coordonnées de l'espace. Utilisons un petit schéma pour illustrer cela. Nous sommes dans l'espace cartésien avec trois axes, X, Y et Z. Nous sommes situés en un point et nous cherchons l'évolution de l'énergie potentielle dans l'espace. Eh bien le terme DEP sur DX quantifie l'évolution de l'énergie potentielle suivant la direction ici en bleu. Le terme DEP sur DY quantifie l'évolution suivant l'axe Y, ici, autour du point M par exemple. Et donc, suivant Z, on a l'évolution en rouge, comme ceci. C'est le terme DEP sur DZ qui quantifiera cela. Maintenant qu'on a compris cette notion de gradient, nous allons démontrer la relation F égale moins grade de P quand on a une force conservative. Pour cela, on va écrire de deux manières différentes la différentielle de l'énergie potentielle. Tout d'abord, on peut écrire que DEP, c'est moins delta W, donc c'est moins F scalaire DOM. Si on regarde ce que vaut ce produit scalaire, on a moins FX, FY, FZ, scalaire DX,
dy, dz, en coordonnées cartésiennes, bien entendu. On a donc moins fx dx, moins fy dy, et moins fz dz. Et maintenant, on peut écrire DEP avec la définition d'une différentielle en mathématiques. On a donc DEP sur dx, dx, plus DEP sur dy, dy, plus DEP sur dz, dz. Et bien, si on identifie les deux relations, on voit que fx égale moins DEP sur dx, fy égale moins DEP sur dy, et fz égale moins DEP sur dz, ce qui signifie exactement que f égale moins gradient de EP. Donc on a déterminé les différentes composantes en coordonnées cartésiennes de f d'un côté, et puis du gradient de EP de l'autre.